It's a sunny day. Mm-hmm. It's so bright, so bright, so bright. It's a sunny day. Mm-hmm. It's so bright, so bright, it's so bright. It's a sunny day. Take a walk in the woods, take your mind off your shoe. Let's take a walk up to the moon, take your mind off your shoe. Come on, darling, follow me, you will see. Come on, baby, today is a good day, 'cause it's a sunny day. Mm-hmm. It's all bright, it's all bright, it's all bright. It's a sunny day. Mm-hmm. It's all bright, it's all bright, it's all bright. It's a sunny day. It's a good day, 'cause it's a sunny day. Mm-hmm. It's so bright, it's so bright, it's so bright. It's a sunny day. Mm-hmm. It's so bright, it's so bright, it's so bright. It's a sunny day. Hey, hey, bonsoir, enfin bonjour, bon après-midi plutôt. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Cable management, c'est n'importe quoi. Comment ça va? Comment ça va? Alors, je vais baisser la musique. Toc. Hop là. J'espère que vous allez bien. J'ai hâte. J'ai lancé un stream. Je devais streamer que ce soir. Mais j'ai pu streamer plus tôt. Donc, j'ai lancé le stream. Je vais faire, je pense, un petit stream de 2 heures là, jusqu'à 18h voire 18h30. Je m'occuperai du petit toutou et je relancerai un stream ce soir si tout se passe bien. Parce que j'ai testé le jeu hier et j'en suis fan, vraiment fan. J'accrochais pas tellement au tout début, j'avais peur que. Enfin, j'étais pas fan des graphismes et tout ça, et au final là, je kiffe. Donc je vais lancer le jeu, et puis let's go, continue l'aventure. Donc je suis au niveau 2, j'ai joué 3 heures. Coucou Juni, c'est Disney Dreaming Valley. C'est un jeu sur l'univers Disney, où en gros tu aides Merlin. Attendez. Hop. Tu aides Merlin à... comment expliquer? À récupérer le royaume Disney. Je vais te montrer. Je vais passer sur le PC. Ça y est, j'ai refait mon stream deck. Tadam ! Donc, si la musique est trop forte, vous me le dites. Je pense que c'est trop fort. Fais quoi si je baisse comme ça ? Voilà. Je pense que c'est... Si c'est trop fort le son du jeu, vous me dites. Hein. Mieux que Zelda ou pas ? Différent. Différent. C'est différent. Franchement, c'est différent. Je pense que c'est trop fort. Je vais baisser un peu comme ça, moi. Je vais vous baisser comme ça. C'est différent, mais il y a du farm, il y a de l'aventure, il y a de la recherche, il y a des quêtes et tout ça. On reste sur le même style de jeu hein, que Zelda. Maintenant, il n'y a pas de combat, il n'y a pas de mob. C'est vraiment peaceful, donc c'est ça qui est cool aussi, c'est vraiment détente. La DA elle est chouette et les musiques pour l'instant je kiffe. Et coucou ma petite Laura.
Du coup, on va continuer ma partie. Je suis niveau 2, hein. Je suis pas au niveau 11, moi. Différent mais prenant, bon bah next play, pace. Ouais exactement, mais moi je joue sur PC, je suis pas sur Switch parce qu'avec le Xbox Game Pass il est à 1€ en fait, tu peux t'abonner pour 1€ par mois pendant 3 mois, là en gros c'est ça l'offre et du coup là je le teste pour 1€, voilà, je voulais pas le tester si vraiment ça me plaît pas, et les musiques mais je kiffe. Si vous entendez trop mon clavier, vous me dites. Donc je joue... Pardon, je joue clavier-souris. Ce qui est cool aussi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, chaque jour, il y a des événements. C'est-à-dire que chaque jour, il y a des nouveaux trucs. C'est pas tout le temps pareil. C'est-à-dire qu'il va y avoir des choses qui changent en fonction des jours. Le jeu s'écoule à la même vitesse que le monde réel. Il y a des événements... Je vais baisser un peu le son. J'avais baissé hier, mais apparemment, c'est revenu fort. Tac. Je vais faire comme ça. Donc, il y a plein de choses. C'est ça qui est cool. Ton inventaire est plein. Sans déconner, j'ai l'impression de toujours avoir un inventaire plein. Et donc, il y a les quêtes, en fait, en haut à gauche. Normalement, ma cam, elle est placée pour pas gêner. Oula, bah, ça, tu t'es cassé la margoulise. Le truc, c'est que... Bah, elle est folle ou quoi? C'est qu'en fait, mon inventaire est plein, mais tout est plein. De tous côtés. C'est super. Je joue, je sais de différence. Je crois qu'on peut pas... Est-ce que... Ok, si clic droit, ça fait... Ça fait emmener tout le... Ah oui, alors j'ai une quête avec le bois. Attends, c'était quoi déjà? Elle. Il m'en faut combien? 12 sur 12, retourne voir Picsou. Let's go. C'est ça qu'il fallait que je fasse. Coucou Malumi, comment ça va? Du coup, le son il est plus du tout fort. C'est à moitié con ça. Faire comme ça. Vous le mettre comme ça. Oh. Qu'est-ce qu'il y a, ma belette? Mais je mange pas les gâteaux. Bof, et toi? Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui te se passe, Malumi? Bonne journée à toi! Merci! Tu peux utiliser ma station d'artisanat dans le magasin. J'aimerais que tu fabriques quelques panneaux et que tu les installes dans la vallée pour que les autres sachent où se trouve le magasin. Au revoir! Au revoir! Et ça, j'adore, les voix sont trop mignonnes. D'accord. Et alors, elle est où la fabrique? Elle est où la là? Qu'est-ce qui se passe? Mission. Ok, j'avais pas vu. Good Disney ce week-end, let's go. Bah je dois me piquer 6 fois par jour pour contrôler ma glycémie, c'est hyper contraignant avec le taf, j'ai plein de rendez-vous et là je crois que je suis covided. En tout cas je suis malade, oh my god Malumi. Prends soin de toi, ménage-toi, essaye au maximum, je t'envoie plein de bisous. Et flûte. Qu'est pas ça, item fonctionnel. C'est quoi? Éclat de rêve. Meubles. Les panales sont là. M'en faut combien? On va en faire 4. C'est ce qui était demandé. Du coup, j'en ai marre. Bah, je comprends. Courage à toi. Je suis sur le même jeu, ceci dit. Ah, je suis devenue accro. Fan et accro.
J'adore. C'est si doux. Mon clavier fait trop de bruit. Ça y est. Ça m'agace. Hier, j'avais le son à fond, je n'entendais pas. Vous l'entendez pas trop ? Je pense que si. Si c'est pas dérangeant, si c'est dérangeant, vous me dites. Si ça ne l'est pas, ça me va. Par contre, ça va être problématique si j'ai déjà plus de place. Qu'est-ce que c'est ? Jupe bonbon violette. Nice. Pas d'autres petits paquets. En vrai, je sais pas encore quoi en faire de tout ça, là. Ça m'embête un peu. Oups là ! Mais où Juni, c'est vraiment tout l'univers Disney. Tu vas avoir des biomes, il y a des biomes et des mondes. Je me suis pas trop spoil, hein. J'ai vraiment regardé quelques streams pour me faire une petite idée du jeu. Et c'est mon chaton qui m'a parlé. Non, c'est toi, Malumi, qui m'a parlé du truc à 1€ là. Et chaton, elle l'a fait. Ok. Faut que je pose des panneaux. Placer des panneaux du magasin de Picsou dans le village. Alors, il est où le village déjà? C'est ça le village? J'imagine. Le bayou de la confiance. Je pense que c'est ça. Ok. Bah, on va en placer un. Ici ? À côté ? Comment je place ? Ils sont où ? Placer des panneaux dans le village. Ah oui, mais comment je fais ? Oui, elle m'en a parlé ce week-end, là. Elle regarde un film d'horreur avec des pop-corns. Moi, ouais, je l'ai eu tout à l'heure au téléphone. Comment on les place, les panneaux ? Faut peut-être que je creuse. Ils sont où les panneaux? Je les vois pas. Ils sont pas dans mon inventaire? À meubles. Nouille. Ok. Je suis nouille, hein. Ah, je peux me déplacer comme ça partout. Il fallait me le dire. Ah non. Par contre, les paramètres, ils restent pas... Attends, commande, AZERTY, eh ben, elle m'a nargué avec ses pop-corn, oui. Je vais aller en mettre un ici. Alors, je comprends pas tout avec la caméra, hein. Je vous avoue que là, je peux pas faire grand chose en fait, à part reculer. Donc, je vais quitter comme ça. Au secours. Je vais faire comme ça. Ok. Et le dernier, on peut le mettre. C'est ici, donc. Vas-y, on va aller voir à côté de chez... À côté de chez... Goofy ?
On en a mis un là. On va faire ça par là. C'est pas ça. Beaucoup de touches quand même. Hein. Mais it's okay. Tac. Ok. Donc ça c'est fait. Maintenant. Ouais mais c'est bon. Il y a des petits lapins. J'adore. C'est trop cute. Par contre, ce que je comprends pas, est-ce que ça repop tous les jours, ça? C'est un peu embêtant. Non? Maybe je trouve ça embêtant. Donc la nocturne. J'ai encore de la stamina. Je suis fatiguée. Je vais manger des framboises. Ok. Ok, ok. Donc ça c'est bon. C'est si doux, c'est ça qui est trop chou. C'est qu'en fait, le jeu... Zelda, il est ultra chouette. Hein. C'est vraiment deux ambiances différentes. Des ambiances différentes, même si ça reste doux. C'est juste que Zelda, en fait, tu sais qu'il y a un mob qui peut t'attaquer à tout moment. Alors que là, en fait, personne ne t'attaquera. Et ça, c'est cool. Allons voir Picsou. Une nouvelle personne. T'as dit quoi? Salutations, voisin. Oui, ça fonctionne. Notre dur labeur porte ses fruits. Le magasin a été monté toute la journée. On fait une bonne équipe, tu sais. C'est un plaisir de t'aider. Eh bien, tu conduis comme ça. Un jour, tu pourras avoir une fortune presque aussi grande que la mienne. Voici un petit quelque chose à accrocher dans ta maison en récompense de ton investissement dans mon magasin. Qu'est-ce que c'est? Apportons un petit quelque chose à la devanture du magasin. Trop modeste, trop d'extravagance pourrait faire fuir les gens. Pourquoi n'irais-tu pas cueillir des fleurs et créer des pots de fleurs pour décorer la devanture du magasin? Voici des pots dans lesquels tu devras mettre des fleurs. Thank you. J'ai plus de place dans mon inventaire, mais je peux quand même des pots. Au revoir. À bientôt. Ok. PTDR, t'es qui? Coucou Dross, comment ça va? Accéder au menu de collection avec O ou depuis le menu principal. Ok. Artisanat. Pot de fleurs. Ok, je sais que je peux du coup en fabriquer. Pissenlit. Pestemont. Montant. Violet, je crois que j'ai pas trop. Ça va, merci. Bon, je vais prendre celle-là. Ça me va très... C'est quoi, pestement? C'est pas elle. Attends. C'est celle-ci. J'en ai peut-être dans mon inventaire? Pas celle-là. C'est pas celle-là, mais j'y vais quand même. Caché dans mes pensées. J'adore. Alors, garde-robe. Non. Ok. Garde-robe, tout. J'avais un nouveau truc, non? Oui, non. Ça ne va pas du tout, ça. Ok. Donc, je voulais regarder là-dedans. Pestement tombant violet. Ok, c'était ça. J'adore.
Ah non, c'était pas celle-là. Reste mon montant tombant. Ok, moi c'est ceux-là. Ah oui, d'accord, il y a le petit machin quand t'as les bons. Tac, 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 tac. Ok, bah j'ai pas les bonnes. Ok. Trouvons ces petites fleurs. J'ai vu une cache sous-stream, je me suis dit, pas possible, faut que j'aille voir. Eh oui. Eh oui, eh oui. Tac, tac. Comment je peux lui donner à manger? Approcher. Ok. Je crois que je lui ai donné toutes mes pommes. Là, j'ai dans le cul, par contre. Fais quoi si je fais... Ok. Je vais utiliser les raccourcis, du coup. Cueillir, nourrir les écureuils. Collection. Ok. Vendre des plats. Ça, je sais pas comment faire, par contre, encore. Donc, les pansements violets, là. Allons-y. Oh. Ah, donc, ce que j'ai pas pu prendre, genre, hier, c'est pas perdu. Oui, parce que moi, mon inventaire est très souvent plein. Hein, on va pas se le cacher. C'est pas comme si on le savait pas. Mettre des carottes partout, moi. Ok, faut que je les arrose. Hop là. Du coup, c'est pas ça qu'il me faut. Moi, c'est les pestes montantes. Une petite framboise. C'est pas celle-là. Et je peux genre nourrir les écureuils. Il faut que je fasse s'approcher ou si je leur jette des pommes, ils se débrouillent. Parce que là, j'en vois plein d'écureuils, mais... Je ne comprends pas. Ok. Du coup, c'est pas ces fleurs-là, hein. Allez, on casse le caillou. Alors, attends. Mangeons des pommes. Ah non, j'ai pas donné toutes mes pommes. Ok. Par ici, je ne peux point y aller. Je sens que je vais pas trouver les fleurs que je veux. Il n'y a que des tombantes. Est-ce normal? Je tire tout. Hein. Alors. Ok. Ah non, oui, oui, d'accord. Pas celle-là non plus. Ah, mes carottes, elles ont poussé. Trop bien, mais je peux pas les ramasser parce que j'ai plus de place. Bon, je vais descendre. Peut-être pas encore tout regarder. Peut-être qu'on les trouve que par là. Ah, c'est ça. Ok. Alors attends.
Fabrique le panneau. Fabrique. Et je peux fabriquer genre... Comment je fabrique? Ils sont où mes petits pots? Dans meubles. Non. Faut, à mon avis, il faut que j'aille au magasin de Picsou. À tous les coups! J'y vais. Oula, c'était une grosse gorgée. Je kiffe. Une nouvelle personne dans le village. Bonjour. Mais non. J'ai des trucs à faire. Je te remercie. Mais écoute, moi aussi. Alors. Item. Meuble. Voilà. Fer. Pourquoi il n'y a qu'une étoile? Je trouve ça un peu vexant. Place ceci près du magasin. Ok. Pas de problème. Sors. Allô? J'ai un problème avec cette porte. Genre si je suis pas calée, oui, il faut. Mais que avec celle-là? Un problème avec moi, la porte aussi? Donc, il faut faire I, meuble, quête, pot de fleurs. Placer ça ici. C'est un peu con, je crois. Voilà. Je vais retourner voir Picsou. Hé, hey, j'ai une mission pour toi. Encore? J'ai pas regardé bonne ce qu'il avait. Oh, j'aime bien le petit pull. La devanture du magasin est superbe, mais surtout... Les villageois savent faire leur course. Hein? Maintenant que tu as montré que tu étais plus habile de tes mains, je t'offre ta propre station d'artisanat. Super! Mais tu ferais mieux de ne pas essayer d'entrer en compétition avec moi. Tu ne veux pas te frotter à Picsou. T'inquiète. Il n'est pas assez grand pour deux entrepreneurs et leur piscine d'or. Merci Gachou, c'est un plaisir de faire affaire avec toi. Oh! Oh! C'est quoi tout ça? Nouveau rôle débloqué, jardinage, pêche, extraction, cueillette, excavation. Sélectionne un des rôles ci-dessous. Ton compagnon peut trouver plus de poissons en pêchant. Ah! J'ai envie de faire ça. Comme ça. Hey, par ici. Oh, ok, je devrais jouer avec mes oreilles de Mickey. Mon dieu, mais la caméra est si mal mise. Voilà. Ok. Passe du temps avec les villageois, ils t'aideront à accomplir tes missions. Augmente le niveau de tes amitiés et assigne le même rôle à plus de villageois pour obtenir des bonus plus gros. Ok. Grande réouverture de Picsou terminée. J'ai des trucs. Ok. À mon avis, je vais bientôt pouvoir... Table de chevet rigolote. Ok. Qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi ça? Nouvelle quête disponible. Picsou a une nouvelle quête disponible. Va lui parler. Pour débloquer la prochaine quête d'amitié, achève ceci. Ça, je peux faire. Ça y est, je peux faire. Ok, attends, j'y vais. Mais j'ai plus de place dans mes affaires. J'ai déjà plus de place, c'est chiant. Alors. Attendez, regardez-les, ils sont trop pipous. Ok, s'il vient vers moi.
approcher. Tiens mon petit. Moi je veux être l'ami de tous les animaux. On va m'appeler Blanche-Neige. Faut juste qu'ils aient envie de venir vers moi, je crois. Non ? Coucou Chris60, comment ça va ? Je pense que je peux pas le faire tout le temps. Ouais, non. Bon, Merlin. Oh, oh, bonjour ! Splendide, la Dreamlight se répand dans les profondeurs du puits. Tu as maintenant assez de Dreamlight pour dégager la porte du château des épines nocturnes. Oh. Mais avant qu'on y aille, je m'inquiète pour Mickey. Tu l'as vu ? Non. J'ai pas regardé. J'ai pas cherché. Je crois pas. Je ne l'ai pas vu depuis ton arrivée. On doit s'assurer qu'il va bien. Va voir s'il est dans la maison et reviens me voir au château. Vas-y, j'ai affaire, beaucoup à faire. Mickey. Il est censé être là, Mickey. Y était sa petite maison ? J'ai pas de souvenir. Aucun souvenir. Bon, bichon. Hey, salut! Cachou! Quelle joie de te voir! Mickey Mouse! Quelle joie de te voir également! Je t'ai vu par là, Merlin, je suis venue te chercher quelque chose pour toi. Mais je ne me souviens plus quoi. Peut-être à cause de ces épines nocturnes. Je vais t'aider à te souvenir. Mince alors, ces épines nocturnes sont les pires! J'ai tout essayé et rien n'est efficace. On se revoit vite! T'es gâté, frère. À très bientôt! Oh oh oh! Ok, qu'est-ce que c'est? Non, debout. C'était pas ça qu'on voulait faire, mais c'est pas grave. Ok, un souvenir avec Mickey. What is it? Ah, crotte. C'est lequel? Je sais pas. Qu'est-ce que ça coûte? Ouh, une pièce de puzzle. Jérémy avec... merde, comment elle s'appelle, la meuf de Wally? Ah, je sais plus. Ok, il y a la bête. C'est qui, ça? C'est la petite dans... Evie. Ah oui, merci, Dross. Evie. Ok, bestiole. Oh, mon Dieu, ils sont trop mignons. Rampapam. Ah d'accord. Ok. Ok. Je peux ouvrir la... Je peux cuisiner chez Mickey ou pas hein? Faut que je... Salut. Sapristi, tout me revient à présent. Dreamlight Valet déborde d'amis. Comme mon ami Rémi, il essayait toujours de nouvelles recettes et j'étais toujours aux anges de pouvoir y goûter. Je me souviens aussi lorsque Rémi a dû partir. Il m'a laissé toutes ses recettes pour que je les regarde. Je les garde en sécurité pour lui. Pourquoi est-il parti ? Parce que les épines nocturnes sont arrivées et que tout le monde a commencé à oublier. J'ai enterré toutes ces recettes dans la vallée pour les protéger. Bah bravo, on stream à pas d'heure. J'aurai plus tard quand je serai à la maison. Ça marche, Noé. De toute façon, là, je vais streamer, je pense, jusqu'à 18h. Et je ferai une coupure pour m'occuper de Sasa et tout ça. Et je reviendrai vers 20h. Quelque chose comme ça. Ça m'a semblé la meilleure idée à ce moment-là. Sapristi, tu as trouvé la pelle. Maintenant que tu l'as, nous pouvons obtenir une recette. Cuisiner des repas conservera ton énergie tandis que tu aideras à sauver la vallée. Les souvenirs que tu as découverts devraient nous donner des indices sur l'endroit où nous pourrions trouver la recette. On se revoit vite. Ok, super, moi je veux ça. Mon inventaire est plein. Une gougère au poivron. Alors attends. Déjà, je vais ouvrir mes paquets.
À tout à l'heure, Noéb. Oh, je veux. Oh, j'adore. On garde. Tu vois, il y a, J'adore ce jeu. Utiliser un sac à dos mini noir. Ok. Attends, on va tout ouvrir. Utiliser. C'est ta capuche douillet noire. Attendez, pousse. Ok, alors. Je voulais faire quoi? Tout. Merci Noé pour ton 23e mois. Presque 2 ans, c'est incroyable. Merci beaucoup Noé. Merci, merci. Je t'envoie du love. Merci beaucoup. Cute. Voilà, on va rester comme ça. Bon, le style, c'est pas encore ça. Qu'est-ce qu'il fallait qu'on fasse? Souvenir de Mickey. Trouve l'emplacement du souvenir de Mickey. Souvenir te montre une image du passé. Mickey te parle de la recette, le petit chef, la recette salade de fruits cachée quelque part dans le village. Bon. Ah non. Salade de fruits. Jérémy. On peut pas utiliser la map quand on est ici? Ok. Fais voir. Je vais aller là-bas. C'est peut-être là-bas. Ça y ressemble ou pas? Qu'est-ce que j'ai fait? Non. Je suis pas rentrée ici. Si, si, je suis rentrée. Si, 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 je suis rentrée. Donc du coup, c'est pas ça qu'il faut que je fasse. Oh. Viens, bouchon. Non? Ok. Faut que je creuse, du coup. C'est pas ça, hein. Attendez, bougez pas.
Me revoilà, excusez-moi. C'était quelqu'un pour la vente de ma voiture. Voilà. Il m'appelait pour avoir des informations. Attention, je lis sur tes lèvres. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais du coup, je ne sais plus ce que je faisais. Alors, attendez. Redésolée, je suis partie comme une voleuse à la pharma. Mais il n'y a pas de souci, ma Lumi, t'inquiète. Attendez, par contre, j'ai un problème de clavier. Il faut que je débloque le château. Ok, mais non, mais je continue avec Merlin. Moi, je pense que pour l'instant, je vais voir Merlin. Let's go. Oh, oh, bonjour. Viens, nous avons une destinée qui nous attend. Le château des rêves, que devrais-je faire avec la Dreamlight que j'ai récupérée? C'est quoi ça? Bonbon, chose préférée. Ah d'accord, on peut faire des cadeaux. Ok. Merci ma chère amie. Cool. Bon, je vais avoir un joli sac, tiens. Ok. Ah, qu'est-ce qu'on peut faire avec lui? J'ai fait quoi? J'ai fait ça avec... Vas-y, je vais faire jardinage. Je suis niveau 3. Ok, nice. Non, mais du coup, c'est quoi la suite, là? Non. Bonjour. Du coup. Ok. Tu as assez de Dreamlight pour repousser les épines nocturnes de l'entrée du château. Bravo. Mais il n'y a pas une minute à perdre. File au château et retire les épines nocturnes. Merci, c'est très gentil. Oh, oh, bonjour. Concentre ta magie sur les épines nocturnes, Cachou. Oh, 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 oh. Nous pouvons enfin rentrer dans le château. Je n'aurais pas fait mieux moi-même. C'est si bon. Ok. Bonjour. Eh hé, les choses ont toujours l'air un peu plus magiques quand tu es là. Que vient-il de se passer? La magie de Dreamlight, le chemin vers le château est ouvert et je commence à me souvenir de ce qu'il y a à l'intérieur. Ou plus précisément, de qui est à l'intérieur. Il faut qu'on se dépêche. Ok. Vas-y, j'ai affaire, beaucoup à faire. Ouh. Oh, c'est beau. C'est très très beau. Bonjour. Je me souviens maintenant, Cachou. Ce n'est pas ce qui se trouve dans le château, mais qui. Quand notre monarque est parti et que l'oubli a pris le contrôle de la vallée, certains d'entre nous sont restés. D'autres ont décidé de retourner dans leur royaume. Chaque porte qui se trouve devant toi mène à un royaume différent, un rêve de leur propre monde. Le château est plein de portes qui mènent vers d'autres royaumes. Oh, tu vas te faire de nouveaux amis derrière ces portes. Mais j'ai peur qu'ils ne se souviennent pas de Dreamlight Valley. C'est donc à toi de trouver un moyen de les ramener à la maison. Je vois qu'il te reste juste assez de Dreamlight pour déverrouiller la première porte. Tu dois choisir le premier royaume dans lequel tu veux entrer. Je veux visiter... On prendra ta prière. Et le chef que tu y trouveras fait de la vraie magie avec la nourriture. Les chefs et les magiciens ont beaucoup de choses en commun, tu sais. Une fois que tu auras franchi cette porte, tu arriveras dans un autre royaume. Aide ceux qui s'y trouvent du mieux que tu peux. Parle-leur de Dreamlight Valley et demande-leur de l'aide. On aura besoin de tous nos amis ici pour se préparer à la suite. Niveau 3. Alors attends, là, il n'y a pas des trucs que je dois... Ok. Collectionne. Non, il y a Disney. Ok. Une soirée importante au restaurant. Let's go. Mais j'ai mes poches pleines. Est-ce que je vais aller vendre des trucs à... Qu'est-ce que c'est? T-shirt Maison des Rêves. Ok, je vais aller... Attends. D'abord...
je vais aller à ma maison. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il me dit? Je comprends pas. Rien, d'accord, super. Je vais d'abord à ma maison. Elle pue un peu du cul, ma baraque, quand même. On n'est pas sur quelque chose de super attirant. Non, c'est pas ça qu'on voulait faire. On voulait aller voir... Dingo. Mickey, il fait sa life. Hein. Alors. Qu'est-ce que je peux vendre? Il arrive en salut courant. Vendre. Mais ça, je sais pas comment faire, moi. Coucou Caitlin, comment ça va? Topaz brillante? Topaz? Écoutez, je fais peut-être des conneries, mais il faut que je fasse de la place. Oh. Là, c'est un peu compliqué. Ok. Vendre un minerai, nanana. Tiens de commencer. Oui, je viens de commencer. Et je kiffe. Je kiffe. Beaucoup de choses à mettre en place, mais... qu'est-ce que j'aurais pu récupérer? Ah non. Suffit avec les fleurs, là. Je vais aller au royaume de Ratatouille. Je veux y aller. Merlin, il fait sa life. Hop. Allez. Bienvenue dans l'addiction. Oui, j'ai cru comprendre, oui. J'ai commencé hier soir et là, je... voilà, j'avais très envie de jouer. Ça me détend. C'est incroyable. On y va ? Ce sont les vraies voix, c'est ça qui est ouf aussi. J'adore. Voilà, faut pas lui marcher dessus, hein. Bonjour. Bonjour, humaine inconnue. Je suis Rémi, et on dirait que tu m'écoutes. Attends, tu me comprends? Bien sûr, je comprends tout le monde ici. Je suis cachou. Je suis une grande fan. Vraiment? Tu veux dire que tu as entendu parler de mon restaurant? La Ratatouille? Suis-je bête? Mais bien sûr que oui. Tu es ici, c'est génial. Super relaxant, oui, le contenu est vraiment complet. À dire que c'est pas encore tout et qu'il y aura plein de mises à jour. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. J'ai hâte de le voir évoluer. Ouais, bah en fait, à la base, j'étais mitigée. Quand il est vraiment sorti, il y a une semaine ou il y a deux semaines? Il y a une semaine et demie. J'étais pas du tout attirée. On m'a demandé mon avis. Plusieurs personnes m'ont demandé ce que j'en pensais. Et... j'ai regardé des gens y jouer et j'étais pas hyper fan. Et en fait, je suis tombée sur un stream avant-hier où je suis, mais genre. Mais juste fan. En fait, j'étais pas tombée sur les bons streams, je pense. Et du coup, j'ai pas kiffé l'ambiance et j'ai pas du tout accroché avec le jeu. Et je suis tombée sur cette personne, je crois que c'est Jules Corvus, j'espère que j'écorche pas son nom, qui est en stream tous les matins, enfin tous les jours. Et je suis tombée sur son stream par hasard et j'ai kiffé. J'ai vraiment kiffé et du coup je me suis dit bah non mais en fait c'est ce que je veux faire. Enfin, j'ai vraiment envie d'y jouer. C'est vraiment un contenu, c'est vraiment le style de jeu que je kiffe quoi. Du coup j'ai craqué hier. suis-je bête? Mais bien sûr tu es ici, c'est génial. Désolée de couper court au papotage mais je dois y aller. La salle à manger se remplit et la majorité de mon personnel est malade. En plus il y a une critique gastronomique de passage ce soir. Un critique pardon. Je dois faire bonne impression. S'il écrit une mauvaise critique, ce serait un désastre. Arf, les critiques, ça craint. Certains, bien sûr, mais de temps en temps, tu en trouves un qui comprend vraiment la nourriture et cela peut changer ta vie. As-tu déjà travaillé dans une cuisine? Je n'arrive pas à me faire griller du pain. On va pas mentir. Tout le monde peut cuisiner, reste avec moi et je t'enseignerai les bases.
Mais il y a quelque chose à faire avant de commencer à cuisiner. Pour l'instant, j'ai besoin que tu fasses la vaisselle. Ça, je sais faire. Ah. Merci, et dépêche-toi s'il te plaît, j'ai besoin rapidement. Okay. On forme une bonne équipe. Nice. Il est où le truc pour faire la vaisselle? Utilise ton arrosoir pour nettoyer assiette sale. Pardon? Mon arrosoir? Elles sont où les assiettes sales? Là. Moi j'attendais avec hâte la sortie, j'avais préco l'édition ultime, là je suis... Je suis le public à 100%, je pigeonne fort fort fort. Je suis pas déçue du tout. Ah bah écoute, c'est un bon retour. Non mais franchement, voilà, il y avait, j'étais mitigée et non franchement, pour l'instant je suis pas, enfin je suis zéro déçue, vraiment zéro déçue. Moi je l'ai pris en Game Pass. Je teste le Game Pass à 1€, donc voilà, j'ai pas vraiment risqué ma life sur ce jeu, mais pour l'instant je suis assez contente. Je nettoie de la vaisselle à l'arrosoir. Que demander de plus? Je vais dire à Rémi que je le fais. Salut! De la vaisselle propre, fantastique, merci. Oh. Tant que tu es là, que dis-tu de la cuisine? Si seulement on pouvait refaire ça IRL, de ouf. T'as fait la vaisselle? Ouais, t'inquiète. Petit coup d'arrosoir. Hop là. Comme bien des gens, et c'est vraiment dommage. Laisse-moi te montrer quelle cuisinière fantastique tu peux être. Préparons deux plats, l'un avec du poisson, l'autre avec un fruit. Tu trouveras les ingrédients dont nous avons besoin dans la cuisine. J'espère te revoir bientôt. Bah écoute, moi aussi. Trouve un poisson dans la cuisine de Rémi et prépare n'importe quel repas en l'utilisant. Là, il y a du café, je prendrais bien du café. Il n'y a pas de poisson. Poisson. Ah là, il y a un poisson. Ah non. Au secours. Ah, j'en ai pris deux, je crois. Et après, je fais quoi? Attends. Trouve un poisson et prépare n'importe quel repas en l'utilisant. Alors là, la fourmi, là. Cuisiner. Non, c'est pas ça. Cuisiner. Non. Cueillette. Plat. Une gougère au poivron. Bah du coup, non. Par contre, on peut pas trier. C'est pénible. Pardon, je râle. Plats principaux. Ok, quand je n'ai pas la recette, je ne peux pas... Ça paraît logique. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ok. Raté. Est-ce qu'il fallait que je prenne autre chose? Je vais commencer à cuisiner avec juste du poisson, on va voir. Bah j'ai fait un poisson grillé, voilà. Pas besoin de plus que ça, hein. Ok, j'ai compris. Montre à Rémi ce que tu as fait. Tu veux voir mon dessin? Bonjour. Ouais, une présentation parfaite, tu comprends vraiment les saveurs complémentaires. Sans blague. Merci. Voyons, tu peux le faire à nouveau. Cette fois avec des fruits. Ok, c'est bon, j'ai compris. Je vais être le Mozart des fruits. Là, il y a de la pomme, la banane. Je vais voir, je vais prendre une pomme. J'en avais déjà mis une pomme. Là, la banane. Attends, là, il y a d'autres trucs. La banane. Et on va faire un smoothie, quoi. Ça fait quoi si je fais... Si je fais ça pour voir... Je vais essayer de faire un flan aux fruits.
Il y a une cuisinière. Tu vises. Attends. Il y a une cuisinière, tu visualiseras mieux. Cuisinière, tu visualiseras mieux. Comment ça? Ah oui, non, c'est compliqué. Il faut vraiment... Je veux mettre du lait. De la banane. Une pomme. Et des œufs. Attier du coup, ok. J'ai fait des œufs durs. Avec tout ça. Bah j'espère qu'ils sont bons. Hein. Ouais, du coup c'est pas ça que je voulais faire. Ok, du coup faut juste que je fasse... Faut pas que je m'emmerde le cul pour l'instant. Pardon. À faire autre chose. Juste, je voulais juste dire que quand tu es dans cette vue, tu vises mieux les recettes que tu possèdes en cliquant. Ah oui, d'accord, ok. Vas-y, cuisine. Fais une compote. Attendez, pousse. Là, j'ai mis une pomme. Le mec me met de la banane, de la poire, des tomates cerises. Et tout à l'heure, j'ai mis vraiment. J'ai fait le truc, hein. Lol. Non mais c'est bon, j'ai plus envie de cuisiner. Hein. Salut. C'est impressionnant, sans aucun doute, tu as du talent. Clairement, tu t'en tires bien, plutôt bien en cuisine. La preuve, t'as deux plats. Devons faire vite. La critique culinaire s'impatiente dans la salle à manger. Je suis là pour t'aider. Et j'apprécie vraiment, parce que tu vas devoir préparer un dîner en trois services. Ce sera le prix fixe ce soir. Et au fait, tu peux même le concevoir. D'abord, choisis un hors-d'œuvre. Salade copieuse. Ou gougères au poivron. Partons sur... les gougères. Tu as besoin d'un poivron, de fromage et d'un œuf. Au revoir. Poivron. Attends quoi, annulé. Oh, ça c'est pénible. Hein. On jette pas. Hein. Attendez. Pantalon noir à pied. Ok. Ok, ok, ok. Poivron, fromage. D'un poivron. De fromage. Et d'un œuf. Je crois que je l'ai, l'œuf. Tu jettes, ça pose au sol, c'est pas perdu. Ah, d'accord, ok. Commence à cuisiner. Ok. J'ai fait des gougères. Apporte leur order à Rémi. Oui. Regarde l'heure d'œuvre que tu as préparée, regarde cette expérience que tu as créée. Regarde, chaque saveur est unique, mais la manière dont tu les as combinées crée quelque chose de nouveau. Et il ne s'agit pas toujours d'innovation, parfois on évoque le passé. La nourriture peut faire remonter des souvenirs. Exactement, à présent nous voulons préparer un repas qui rappelle aux gens quelque chose de réconfortant. Nous avons une pizza margarita ou une casserole de légumes. On va faire la casserole. Choix délicieux, la recette de base de la casserole est quelque part par là. Ensuite, ajoute les épices pour ajuster les saveurs de la casserole de légumes. Merci. Trouve le livre de cuisine dans la cuisine. Le livre de... Oui. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Il est où le livre? Non, dit d'où. Trouver le livre. Là. Plat.
Améliore le plat de la casserole de légumes. Ok, attends. Qu'est-ce qu'il faut dans cette casserole de légumes? Bah comment je sais? Bah lis le livre, andouille. Ah, recette, ok. Deux légumes, du fromage. Fromage, il m'a dit qu'il fallait que je rajoute quoi? Des épices? T'es mignonne toi, c'est où les épices? J'ai vu un truc tout à l'heure. Ok. Deux légumes. Et du fromage. Bah vas-y, je vais mettre un menu. Coucou ma titi, comment ça va? Ah bah c'est pas du tout la soupe de légumes. C'était ça? J'ai un doute. Casserole de légumes. Moi je fais tout sauf ce qu'il faut, c'est incroyable. Deux légumes et du fromage. En ajoutant des... certains épices. Pourquoi je ne peux pas ouvrir le livre? Attendez. Il y a quelque chose que je comprends pas. Trop de légumes. D'accord. Mais du coup, pourquoi je peux pas ouvrir le... Pourquoi je peux pas? Attendez. Deux légumes, du fromage. Bon, ben, vas-y, je vais faire une soupe à l'oignon avec du fromage, hein, pour me faire chier. Parce que là, c'était écrit en dessous. J'ai pas lu. Ça va bien, je sors du boulot, tu vas accompagner mon retour à la maison. Ah, ça va, ma titi. C'était écrit en dessous. J'ai essayé de faire cette recette de base, mais j'ai ajouté des épices ou de l'herbe. Des herbes. Oui, mais c'est quoi les herbes? Comment je sais? Ah, d'accord. Ok, ok, ça y est. Merci. Ok, c'est bon, j'ai. J'avais pas compris, je pensais que c'était des petits pots qu'il fallait prendre. Merci, merci, Kathleen. Ok. Ça. Oh là là, attention, vous êtes prêts pour la soupe à l'oignon de l'année? Comment ça cuisine? Casserole de légumes. Ok. Dans ta collection, les ingrédients sont triés par type, si jamais t'as des doutes à un moment donné. Ok, merci. Tac, tac. Ok. Apporte à Rémi ce plat. Vous pouvez pas lui mettre une petite chaise? Donnez. Salut! Ce plat était parfait, mais tu n'as pas fini le dernier plat et le dessert. Le dessert sont très importants, les clients se partiront avec le goût final. Si nous n'offrons pas de choix de dessert fabuleux, ce critique gastronomique va nous griller. Bien, veux-tu préparer un gâteau à la banane ou une tarte aux pommes? Gâteau à la banane. Tu auras besoin de 3 ingrédients. Rappelle-toi, la clé pour du gâteau, c'est le beurre. J'espère te revoir bientôt. Coucou mon Mickey, comment ça va? Bon bah là il me faut une banane, hein. Des bananes, du lait et du beurre, j'irai. Plat. Va pas me le donner le gâteau à la banane, hein. Attends, est-ce que je le vois quelque part? Gâteau à la banane, j'irai du lait. Et voilà. Parce qu'effectivement, c'est pas toujours clair, ils mettent l'ail dans la rubrique herbes et épices, mais l'oignon dans les légumes, j'avoue. T'as débloqué chez Rémi, je l'ai pas encore. Ah ouais, bah je voulais direct y aller.
Un bon gâteau. Ah, c'est des œufs, de la banane et du beurre. Ah, peut-être. Ah non, c'est du maïs, ça. Peut-être pas mettre de maïs dans un gâteau à la banane. Pas con. Tu prépares le goûter, j'ai faim. Mais de ouf. Ok, attention, je vais cuisiner. Hein. Un gâteau à la banane. Du beurre. Une banane. Des œufs. On teste. Non, les œufs, c'est des œufs. Voilà, bon, bah déjà, c'est pas bon. Donc, on va reprendre du beurre. Donc, c'est le lait. Du lait. Du beurre. Et de la banane. Manque peut-être un peu de farine. Ton gâteau. Il y a de la farine ici ? Ah, du blé. Ah, c'est le blé. Il n'y a pas de farine. Il y a du lait. Il n'y a pas de farine. Un vrai chef. Attendez. Peut-être. Ah non. Vas-y, ça, mange-les. T'es au taquet, là. Alors là. Elle au taquet. Oh, putain, on peut faire de la farine avec le blender, là ? Non. Sauf si tu les veux. Je donne des pistes, mais pas la réponse. Non, attends. Attends, je vais essayer avec le blé. Que j'ai pas pris. Nouille. J'ai pas grand chose. Est-ce que je peux faire? C'est quoi ça? Oh non, mais... Je réchauffe, hein. Ça fait quoi si je fais juste du blé? Oh, crotte. Si je brûle du blé. Vas-y, fais voir. Comment ça fait? J'ai fait des crackers. Attends. Vas-y, je vais chercher du blé. Je vais tester. Il faut tester. Quoi? Mais à quel moment c'est possible? Vas-y. Vas-y. Casse les couilles. J'en ai dans mon inventaire. Non! Juste le blé, c'est des crackers. C'est incroyable. C'est incroyable. Jette. Ok, vas-y, viens. T'as fait des crackers tout pété, là. Donc, tu mets une banane. J'ai vu qu'il y avait que 3 ingrédients. Attends. Regarde, j'ai vu collection plat. Magnifique crackers. J'ai vu dans les desserts gâteau à la banane, il y a que 3 ingrédients. Donc pour qu'il n'y ait que 3 ingrédients, ça veut dire que il y a de la banane, il y a du beurre et du blé. Non. C'est ça que 3. Ok. Nice. Attendez. Hop. Impeccable. On a fait un gâteau à la banane. Merci Kathleen. Et ça fait quoi si je mets juste du lait? Ah, moi je vais tenter tout ce que je peux. Hein. Un milkshake. C'est fou. Ok, super. T'es où? Là. Donner. Ok. Bonjour. C'est l'heure d'affluence pour le repas. Commande. Quelqu'un veut une salade ranch? Je vais charger de cette commande, mais voilà un indice rapide. Notre salade ranch est composée de laitue, de tomates, de maïs, de poivrons et d'oignons. De laitue, de tomates, de maïs, de poivrons et d'oignons.
J'ai tout oublié. On forme une bonne équipe. Est-ce que j'ai un... Attendez, de laitue. De maïs. De laitue. De tomates et d'oignons. De maïs. De laitue. Pas ici du coup. De maïs. De laitue. De ça m'énerve. Je vais tout mettre par terre. Hein. De... De maïs, de laitue. Je me fais vraiment rire toute seule, c'est ouf. De maïs, de laitue, de tomates et d'oignons. Maître castor, maître renard. Ok, de lait. Poussez-vous. J'ai une mission. I'm on a mission. De maïs. De laitue. De tomates. Et de oignons. J'ai hâte à la dernière étape, à me dire. Fallait pas les cuire, je vais faire une putain de soupe. Ah bah non ! Salade copieuse. Ah ! Rémi ! Salut ! Oh ! J'ai pas lu ! J'ai pas lu, j'étais trop vite ! De salade ranch est composée de laitue, de tomates, de maïs, de poivron. J'ai oublié le poivron. Merci. De rien. J'ai oublié le poivron. J'ai oublié le poivron. De tomates. De maïs. De laitue. Avec mon bordel par terre. Ah, ça va, hein, c'est ma première salade ranch. Écoutez, je fais ce que je peux. Hein. De maïs, de laitue, de tomates, de poivrons et d'oignons. Hop là! Mais qu'elle est magnifique! Oh, 5 étoiles! Ok, parce que je l'ai fait dans l'ordre. Est-ce que ça joue ça? Ok, après, faut faire quoi? Le passe-plat est là. Bah non, c'est pas logique. Où le passe-plat? Là! Ah, j'en ai fait 5. Nope, il s'affiche dans l'ordre. Nope, il s'en fiche de l'ordre dans le jeu. Dommage. Salut. Le critique est prêt pour son plat principal. Et bien sûr, il a commandé ma spécialité, la ratatouille. Je suis en train d'en préparer 3 autres commandes. Tu veux bien m'aider? Oh là là. Des légumes, des épices et des souvenirs. J'espère te revoir bientôt. Bon, pas dans la ratatouille. Ok, j'ai compris. Il y a du beurre. On va mettre ça. J'espère que t'as cuisiné une vraie ratatouille. Non. Il y a de l'aubergine déjà. Il y a ça. Bon, voyons voir ce qu'on peut faire avec ça. Puis je vous dis, hein, moi je me suis pas spoilée. Hein, j'ai pas... Au secours! Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut cuisiner, maestro? De l'aubergine, il y en a, c'est sûr. De la courgette, il y en a, c'est sûr. La tomate, j'ai un doute. On arrête tout, allez au mini. Je vais mettre un oignon. Oh, j'aurais dû regarder. Attendez, pousse. Je triche. Ingrédients. Non, plat. Attendez, faut juste que je regarde mon téléphone parce que c'est le travail. Ok, attendez, bougez pas. Ok. Attendez.
J'arrive, hein. J'arrive pour la ratatouille. Je vais envoyer un message à mon collègue. Oh non. Ok. Et coucou. Alors attends. La ratatouille. C'est pas dans les hors-d'œuvre. C'est dans les plats principaux. Allez, on la ratatouille. Ratatouille. MNOP. Là. 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a 5. Vas-y, attends, je regarde. Il y a de la tomate. Courgette. Ok. Il y a de la tomate. Donc, il y a de l'aubergine. Il y a de la courgette. Il y a de l'oignon. Il y a de la tomate. Il y a du beurre. J'ai un doute avec le beurre. Où il y a ça? Je sais pas ce que j'ai préparé. J'ai fait la ratatouille. Laisse tomber. Improbable. Voilà. J'ai fait en regardant le dessin, quoi. Merci. J'y croyais tellement pas. En fait, je me suis dit, dans la ratatouille, c'est sûr qu'il y a du, il y a de l'aubergine, il y a de l'aubergine, il y a de la courgette. La tomate, j'avais un doute. Merci. Faut que je fasse quoi après? Prépare et sert aux critiques. Merci. Hey, c'est toi. La critique gastronomique a donné 5 étoiles à la ratatouille. Quel soulagement. Tu sais, Cachou, tu as beaucoup de talent en tant que chef. Y a-t-il une chance que tu travailles pour moi? À vrai dire, j'ai un restaurant pour toi dans mon village. Ça serait un nouveau défi génial. J'adore les défis culinaires. C'est peut-être l'occasion idéale de faire quelques recherches. Tu sais quoi, j'accepte. J'irai dans ton village et je t'aiderai avec ton restaurant. Attends, ce boulot comprend-il un logis? Je ne peux pas dormir dans la cuisine, ça ne serait pas hygiénique. Merci, j'avais tout bien, mais avec du basilic au lieu de l'origan. Mais en fait, tu sais, j'ai mis l'origan parce que dans ma tête, je me souviens... du basilic, non. Mais je me souviens dans le film qui met un truc. C'est vraiment ça, hein, qui a fait que... Après, je suis partie dans tous les sens. Ah ouais, genre, tu t'es dit, non, bah du coup, il y a un truc. C'est genre comme, tu sais, quand tu joues au jeu Mastermind. Tu sais, t'as un code dans ta tête, tu te dis, bon, il y a une boule de la mauvaise couleur, vas-y, je change tout. Je peux pas dormir dans la cuisine, ça serait pas génique. Il me faudra certainement une maison avant que je ne vienne. D'accord, je vais t'en trouver une maison. Au revoir. Appuie sur F pour accéder aux meubles à placer dans la maison. Mais pas ici, du coup. Place la maison de Rémi dans le village. Oh my god. Qu'est-ce que je peux... Vous voulez que je vous fasse un milkshake? Ok, attends. Mais du coup, j'ai fini? Appuie sur F. Place la maison de Rémi dans le village. Donc faut que je sorte. Ok. Ah, crotte. J'ai oublié, j'y retourne. Oh non, j'espère que ça ne l'a pas enlevé. Excuse-moi, j'ai laissé un petit peu de trucs par terre, mais t'inquiète, je ramasse. Écoute, attendez, excusez-moi, hein, c'est... Avant de partir en week-end... Ok. T'en auras peut-être besoin. Bah oui. Et est-ce que du coup... Les trucs que j'avais? Ah ouais, non, il m'attège les fruits et les légumes, quoi. Faut pas repartir avec une motte de beurre. C'est dans le château, moi j'ai pris Wally. Bah moi j'ai pris Ratatouille. J'avais trop envie de voir sa petite bouille. Ok, F. Mais non! Place la maison de Rémi dans le village. Tu la trouveras dans le... Blah. Bon, là, si je fais F, il se passe quoi? D'accord, ok. Annulé. Faut que je me... Oui, t'es mignon, mais je vais peut-être pas mettre ça ici non plus. J'ai commencé par Wally aussi, quel bébou. Ah, mais j'avais trop envie de commencer par... par Rémi. Oh bah, attendez, c'est une pression de dingue. Je suis fan de mon Wally. J'espère qu'il y aura bientôt réponse et Pascal. Oh là là, laisse tomber. T'es sur PC ou Switch? Je suis sur PC.
Je suis sur PC. Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? Ah, je voulais regarder où placer là. J'avais commencé par Rémi aussi, c'est vrai? Je dirais PC vu la fluidité. Ah, ça rame sur Switch? Est-ce qu'on placerait pas Ratatouille? C'est quoi ça? Genre là? Là, si je fais F, il se passe quoi? Ok, ça fait ça. Vas-y, avance. On va pas le mettre là, on va le mettre plus bas. Quand t'es en mode déco, tu peux vraiment te balader sur toute la map sans bouger ton perso si jamais. Ouais, mais ça marche pas tellement, je trouve. Genre, tu vois, je peux pas aller à gauche, je peux juste aller en marche arrière. Ah, mais en fait, ok. D'accord, donc je suis en WASD pour ça. C'est un peu con, du coup. Je suis en WASD pour... Ok, c'est chiant. Glisser avec la souris, glisser, déposer. Oh putain, ok. Merci, Gatlin. Oh, ok, ça y est, je suis dans les Sims, là. Merci. Oh, je peux tout... Oh, on peut tout changer de place? Oh! Là, voilà! Sur Switch, ça pue un peu la mort. Ah, mais t'as pas... Ah, mais t'as dit Game Pass tout à l'heure qu'elle nous... Non, mais t'inquiète pas. Attendez. Sur Switch, ça pue la mort. Quand t'es en mode déco, tu peux vraiment te balader sur toute la map. Ok. Les Sims. Voilà, on est foutu, elle va tout refaire. C'est mort, les gars. Je ne dors plus. Qu'est-ce que c'est que ça? On peut retirer les mauvaises herbes? Qu'est-ce que j'ai pris? Ah non, du chemin, d'accord. Oh! Non mais c'est mort! C'est mort! Laisse tomber! Du coup, je veux le mettre là. Ah, je peux pas enlever ça. Ok. Je peux enlever ça, mais je peux pas enlever ça. Ah bah non, parce que ça, c'est les ressources. Ok, je suis con. Ok, donc ça, il y a ça. Bah genre ici, est-ce que ça passe? F. Ah! À quel moment ça met vert? Comment est-ce qu'on sait? Quand c'est comme ça. Vas-y. Ici. Au secours. Moi j'ai un rêve. Moi j'ai un rêve. C'est voir les lanternes qui dans le ciel s'élèvent. Tu peux tout bouger. Tu peux enlever tout sauf ce qui est détruit. Ce que tu détruis avec tes outils. Ah, c'est le feu. C'est génial. Ok. J'espère que vous n'êtes pas fatigués parce que là, ça va être du grand Mendes. Ok. Je veux essayer le demi-tonneau. Mon dieu! Nouveau prêcheur, les maisons, tu peux les déplacer gratos, on n'est pas dans Animal Crossing. Mais c'est devenu mon jeu préféré, en fait. Vous voyez, j'avais un a priori, j'étais en mode non, je pense pas que je vais kiffer. Laisse tomber, ça y est. Tu peux rajouter plein d'arbres. Oh! Mais ma vie, les arbres, c'est où? Feuillage. Ah non! Paysage! Oh! Oh! Mais non! X? Oh là là. On m'est perdu, hein. On m'est perdu. Descendre en paysage, c'est illimité. C'était sûr que t'allais kiffer. Oui, allô, je suis malade. Je vais pas pouvoir venir bosser lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Les gars, j'ai trouvé un jeu. Mais si c'est gratuit en plus. Non mais... Bon, alors attends. Utilise le panneau de Picsou pour payer la construction de la maison de Rémi. Ah. Congé sur tout le reste du mois. De ouf. J'ai pas de sous. Adieu, Cachou. C'était un plaisir de vous rencontrer. Rémi n'est peut-être qu'un petit chef, mais il a le palais très fin et il est très exigeant. Si tu veux une maison à la hauteur de ses attentes, tu vas devoir payer une coquette somme. C'est gratuit. En attendant, j'ai pas la thune, hein. Non, mais je vais aller vendre des trucs. Oh,
Je vais tout refaire. Attends, d'abord, je vais à ma maison. Et je vais... C'est le mentor à Tom Nook. Non, mais attends. C'est insane. Elle est où ma baraque à moi? Elle est pas là. Elle est là-bas. C'est voir les lanternes qui tendent le ciel, c'est l'air. Oh là 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 là. Je kiffe. Donc là, si je fais F... Je peux pas mettre des arbres chez moi. Ok, bon, pour l'instant, j'ai pas trop de trucs. Donc là, si je baigne un peu tout mon inventaire... Ça coûte trop cher, hein, j'ai pas la tombe. Qu'est-ce que je peux stocker? C'est quoi ça? Paquet de bienvenue. Ça, je peux pas le placer? Non, I. Mais quel débile. C'est pas gratuit à construire, mais c'est gratos à déplacer, donc tu as l'impression de prendre des décisions d'une vie quand tu... Ah, t'as pas l'impression, ok. Une chaise, des pommes, des cookies. Moi, j'ouvre ça 3 jours après, quoi. Tout va bien. Ça, faut les vendre? Qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? Oh, les carottes et tout, là, ça commence à me gonfler. Attendez. Collectionne. C'est dommage qu'ils mettent pas les trucs en haut. Après, c'est bien, au moins ça te fait des... Non, mais je râle, mais alors en fait, non, c'est très bien. Magnifique plat. Les éclairoses gardent précieusement. T'as des quêtes qui en auront besoin. Ok. C'est très chiant à farmer. Ok, bah je vais les mettre dans le coffre alors. C'est quoi ça? Il faut aimer mon île et son histoire et garder de mémoire car je jeterai ma place. Ok! Bah, du coup, j'ai un truc en moins dans mon inventaire. Éclat nocturne. Ah, ça, j'ai vu que Merlin il kiffait. Là, j'ai de la bouffe. Bon, on va aller farmer. Let's go. Je les ai gardés précieusement. Par contre, c'est dommage qu'il n'y ait pas de la musique là. On va farmer ça. Je sais pas si t'as déjà l'appel et tout. Mais bien sûr que si. Get down. Allô. Allez. C'est tout? Moi, j'aimerais bien qu'il y ait de la musique, là. Okay. On va farmer et vendre tout ça. Si tu demandes à un habitant de t'accompagner, c'est la musique t'accompagne. Oh, patin, mais attendez, Mickey. Mickey? Il peut m'accompagner, mais... Parlez. Hey, salut! Bonjour. Wow. Maintenant que nous savons ce que nous cherchons, nous devons juste trouver où c'est. Le souvenir devrait nous aider. À comment je fais pour qu'il m'accompagne? C'est quoi B+? Bien nourri. Ok. Super. Mickey. Mais est-ce que je peux faire ça? Je pense que je peux pas le faire maintenant. Je dois pas avoir débloqué. Tu as une option quand tu lui parles. Ouais, mais j'ai peut-être pas assez d'amitié avec lui. Qu'il soit niveau 2. Comment je sais ça? J'ai pour les guider, les rendre plus grands, les accompagner, je prendrai le temps. Comment on sait? On s'en fout. Ah, bah non, on s'en fout pas. Commande. Collection, personnage. Collection. Oh!
suis 3. Ah, je suis 1. Qu'est-ce qu'il aime ? La bouillabaisse, la banane et la bromélie rouge. Salagadoun, la magica boule, la pépiti papiti bou. Tiens, salut ! Ah, ok. J'ai quelque chose pour toi. Grenat, hareng, sushi. Tiens, une pomme. Oh yo, j'aime bien. Bonjour Cachou, as-tu une question ? Bon, ok. À plus tard. Ok, 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 ok. Mais cette voix cachée pense tout autrement. Je ne comprends pas. Bon, mon test est négatif, au moins un truc positif. Bah c'est positif ou négatif ? Ah bah c'est positif. Il dit qu'il voit pas le rapport. C'est positif là du coup, si c'est négatif. Le soleil en sur la... Putain ouais, l'énergie, il pète quand même vachement moins... Il passe vachement moins vite. Non. Quand tu manges des plats. C'est pas faux, exactement. Du coup, ça c'est good. Ok. Creusons, creusons, creusons. Ah oui, faut que je pêche aussi. C'est vrai. Ça m'intéresse un peu moins, là, les cailloux, j'en ai déjà beaucoup trop. D'accord, juste du caillou, vous allez écouter. Mmh. Ok. Un livre. C'est pas utile. Utiliser. Ah, c'est la recette ? J'ai trouvé la recette. Attends. Parle à Mickey. Pff, improbable. Il est où Mickey ? Il est parti là-bas. Allons-y. Allons chercher Mickey. Qui donne plus, c'est ça? Oh, hey, tu veux discuter, oh là là, nous avons réussi, nous avons trouvé la pelle et la recette. La salade de fruits. Oh, tout ça pour une salade de fruits. Non, on va être sympa. D'ailleurs, le pharmacien me dit, vous faites un test parce que vous avez mal au ventre, parce que j'ai eu du mal à me lever. Bah non, je suis enceinte. Pff, ils sont forts, les pharmaciens. Je parie que toutes les recettes de Rémi ont un goût exquis. Même les plus simples. Ça, tu l'as dit. Rémi sait comment ajouter une petite touche de magie au plat les plus... D'accord. Et je parie que si tu continues de chercher, tu trouveras la recette un peu plus stimulante. Des recettes un peu plus stimulantes. Je sais que Rémi te confierait ses recettes et je parie que tu aimerais les cuisiner. Peut-être que je pourrais... les partager avec mes amis. Oui, la seule chose meilleure qu'un délicieux repas, c'est un délicieux repas partagé avec un ami. Maintenant, avant que tu commences à collectionner d'autres recettes, nous devons d'abord cuisiner celle-ci. Nous devons d'abord récupérer les ingrédients. Je vais voir ce que j'ai dans mon jardin. Retrouve-moi là-bas lorsque tu voudras préparer la salade de fruits. Ça fait si longtemps que je n'ai pas dégusté une recette de Rémi, j'ai trop hâte d'y goûter. Je vais suivre le jardinage. Félicitations ! Ok. Alors, collection, ensemble de vêtements, j'ai une salopette. Qu'est-ce que c'est que ça? Une tente cuisinée avec Mickey.
Ouais, mais non, mais nous, on va faire ça d'abord. On va continuer de faire ça. On va vendre, du coup. Va falloir qu'on jardine et tout. On va pouvoir faire un petit jardinet. Ça va être nice. Va juste falloir qu'on trouve où le faire. Allô? Ah non, j'ai cru que j'avais pas lu. Ok. Ah non. Ok. J'ai fait une photo. J'ai fait une photo. Comment j'ai fait? Ça va, ma titi? J'en ai marre des carottes, là. Je pense que si je pêche... J'ai moyen de me faire plus de thunes. Vas-y, attends. Je vais déjà vendre ça. C'est quoi ça? Un coffre. C'est quoi, Tintin? J'ai trouvé un goûter, donc oui. Ah. Ah, des grosses pièces. Ok. Le soleil. Salut, mon ami. Y'a quoi? Non. Grenat brillant. Alors je me fais 1000. Vas-y, je vends les carottes. Et ça. Boum. Allez. Oh. C'est bon. Ok. Je vais aller. Je vais replanter ça déjà. Voilà. Maintenant, on a les thunes. Bonne journée à toi. Ok. Oh. C'est parti. Allez, trop bien. Accueille Rémi. Oh là là, c'est si beau. Trop chou. Ça c'est bien. Trop mignonne. Bonjour. J'adore. Waouh, cet endroit est magnifique et familier. J'ai presque l'impression d'avoir déjà été là. Bizarre. Bon, pas le temps de penser à ça maintenant. J'ai un restaurant à ouvrir. Très joli. Nice. Rénovation de restaurant terminée. Puis oui. Nouvelle quête, nouvelle quête. Va voir Rémi au restaurant. Ok, c'est fait. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Personnage. Oh, trop pipou Rémi, hein. Ok. C'est où le resto? C'est là? C'est chez lui du coup? C'est si mignon. Le problème c'est qu'on ne le voit jamais. Non, il est pas là. Il est dans la boîte. Ah, attendez.
Hop là. Oui, ma tata. Petit chien. Hop là. C'était le padre. Oui, mon bébé. Quelle heure il est? Oui. Je vais bientôt faire une coupure et on va y aller. Je sais que t'attends. Je sais ma bête, on va y aller. Mais du coup, c'est pas ici que je devais aller le chercher? Va voir Rémi au restaurant. Suivre. C'est où, du coup? Si ce n'est pas là. Ah, c'est au restaurant, c'est à Paris? Il est pas ici, du coup? Faut que j'aille au château? Je vais aller voir. Oui, ma belette. T'inquiète pas. On va y aller, mon chien. Comme je disais, je vais... j'ai streamé là pendant à peu près 2 heures. Et je vais... C'est pas ici? Au restaurant. C'est pas là. Et je vais restreamer en début de soirée. Je vais faire, voilà, allez, je fais 16-18 et je ferai 20, enfin je vais faire une petite coupure pour m'occuper de Sasa et je reviendrai vers 20h, je pense. Je comprends pas, M. Là. Ok, c'est ici. Ça paraissait si logique que ça soit ici. Salut! C'est celui-là? Est-ce le seul restaurant de ce village? Bon, on dirait bien que je ne suis plus à Paris. Comprends-moi bien, il y a du potentiel, mais il faudra y mettre du cœur. Et sans doute, une rénovation complète. Mais tu peux m'aider, pas vrai? Absolument, j'adore la nourriture. Aucun rapport. Merci, c'est utile d'avoir quelqu'un qui, tu sais, mesure sa taille en mètres plutôt qu'en centimètres. Nice. Exactement, bien qu'il y ait des avantages à être petit. Par exemple, je peux me faufiler à travers un trou dans le mur et ouvrir la porte de l'intérieur. Suis-moi, voyons à quoi nous avons affaire. Oh, nice. Ah, il pleut. Ça va être une petite balade, peut-être. Ok, bon. Écoutez. On va faire une petite pause ici. Je vais vous abandonner, malheureusement, pour l'instant. Parce que, voilà, il faut que je m'occupe de ma Sasa. On va se regarder. Il faut que je m'occupe de Sasa, que je fasse des petits trucs, que je m'occupe de petits trucs. Mais je vais streamer ce soir, ça c'est une certitude. Je reviendrai vers 20h, je pense. Un petit peu avant, si... Mais voilà, je fais une petite pause et je reviens tout à l'heure. Pour ceux qui ne seront pas là, je vous fais des très gros bisous. Merci d'avoir suivi le stream. Et pour ceux qui seront là, je vous dis à tout à l'heure. Et prenez soin de vous en attendant. Des bisous, à tout à l'heure. je vais quand même faire les choses bien. Voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao les feuilles.